Bonjour. Dans le cadre des trucs et astuces mathématiques disponibles sur NetProf, aujourd'hui je vous propose une méthode simple et pratique et surtout manuelle qui vous permettra de retenir la table de multiplication des 9. Donc cette méthode s'adresse à tous ceux qui soit ont souffert sur cette table, soit ne sont carrément pas parvenus à la retenir. Donc le principe est très simple, je vous ai dessiné en bleu deux mains et la méthode consiste tout simplement à supprimer le doigt correspondant au nombre que l'on multiplie par 9. Donc on va le faire. Une fois 9, on supprime le premier doigt. Donc on supprime ce doigt-là. Et que lit-on? Une fois 9, il nous reste 9 doigts. Donc une fois 9 égale 9. Maintenant, si on fait 2 fois 9, 2 fois 9, on va supprimer le deuxième doigt. Celui-là. Donc ça veut dire que le nombre de doigts avant le doigt supprimé correspond aux dizaines. Donc on a 1 ici, un doigt. Et le nombre de doigts après le doigt supprimé correspond aux unités. Donc 1 et 8. 2 fois 9, 18. 3 fois 9. 3 fois 9, on supprime le troisième doigt. Il nous reste 2 doigts avant et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Donc 2, 7, 3 fois 9 égale 27. 4 fois 9, on supprime le quatrième doigt. Donc on a 3 doigts avant et 6 doigts. 3, 6, 4 fois 9, 36. 5 fois 9, on supprime le cinquième doigt, on en a 4 avant et 5 après. 5 fois 9, 45. 6 fois 9, on supprime le sixième doigt, donc on en a 5 avant et 4 après. 6 fois 9, 54. 7 fois 9, on va supprimer le 7e doigt, donc on en a 6 avant, il en reste 3 après. Ça fait 7 fois 9, 63. 8 fois 9, même chose, on supprime le 8e doigt, donc il nous en reste 7 avant, et du coup 2 après. 8 fois 9, 72. Enfin, le dernier, 9 fois 9, on supprime le 9e doigt, ça fait qu'il nous en reste 8 avant et 1 après. 9 fois 9, 81. Donc voilà une méthode toute simple qui vous permet, sur vos doigts, de retenir la table de multiplication des 9. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces mathématiques, ou d'autres jeux, ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir.